Hello, en toute vitesse, parce que j'ai une autre conférence qui commence là. Je tenais à dire ici dans le groupe, parce que j'ai eu vraiment cette vision, j'ai eu cette inspiration et j'étais faire dans toutes mes pages une vidéo et je vous invite à venir sur ma page Chandra ou porteuse de, From Passion to Business, voir cette vidéo que je viens de faire et la partager. Parce que pour moi, je me suis rendu compte que chaque femme, et chaque femme doit le savoir, chaque femme est une porteuse de projet. Donc toi, tu es ici dans le groupe, toi, tu le sais. Mais il y a plein de femmes qui ne se voient pas comme ça. Et ce que j'ai expliqué là, je vais le partager cette vidéo ici aussi dans le groupe tout de suite. Je trouve que c'est tellement, tellement important que chaque femme le sache. Et ce que je voudrais rajouter ici dans le groupe, il y en a qui m'ont dit, oui, Gudrun, moi, mon business, blablabla, je suis peut-être pas. Ce n'est pas péjoratif, je ne veux juste pas faire le résumé. Le blablabla, c'est le résumé de tout ce que vous m'avez dit, OK? Mon projet, pas assez loin, etc. Et oui, en ligne, je ne veux pas le faire. Moi, je veux le face à face. Bien sûr, moi aussi. Moi, je suis professeure de danse. Tu penses bien que moi, le face à face, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant X années et que va être remplacé par rien au monde. Mais mon face-à-face, mon cours de danse, mes cours de Chandra à Bruxelles, ça reste limité dans la possibilité des personnes qui peuvent travailler avec moi. Pourquoi? Parce que moi, je le fais à un jour, une heure, un endroit. Et il suffit que tu habites à 50 km ou même 10 km plus loin, que tu finis ton travail ou que tu as ta famille et que tu ne peux pas travailler avec moi. Et c'est la même chose pour toi. Travailler en ligne, chaque business peut être travaillé en ligne avec brillance, avec joie, avec un truc magique, magnifique. Et tout ce que tu as à offrir peut se multiplier, peut joindre tellement de gens grâce à cela. Et je voudrais que tu réfléchisses juste, ou que, non, 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 on va le dire comme ça, laisse cette porte ouverte, OK? Parce qu'ici, bien sûr, Sigrun, par exemple, elle parle du business en ligne. Et avec travaillant avec elle et faisant ce que je fais, je me rends compte que c'est possible. Si tu as déjà travaillé un peu avec moi, tu sais que dans les groupes, la magie qui se passe, tu sais qu'on a dansé ensemble, on a fait des trucs ensemble. Si tu as travaillé avec moi offline et online, tu connais la différence, mais tu sais que la magie, elle est présente en ligne et que c'est encore quelque chose de peut-être plus puissant. C'est différent, on va le dire comme ça. Et donc, il y a un orage de malade ici. Je ne sais pas si tu entends le tonnerre. Donc, je voudrais que chacune qui se trouve ici, faites-moi le plaisir, laissez cette porte ouverte au fait qu'un jour, ce que vous allez faire va être aussi en ligne. Cette possibilité, ne fermez pas cette porte, ne dites pas non, mais ça ne m'intéresse pas, moi en ligne. Je te garantis, quand tu vas comprendre la puissance de l'Internet, quand tu vas y prendre goût, que tu ne vas plus jamais le dire. Ça, moi, ça m'attirait. Moi, j'y voyais la grosse possibilité de pouvoir vraiment travailler avec des femmes partout dans le monde. Et c'est une réalité maintenant. Et c'est magnifique. Donc, voilà, ça, c'est ce que je voulais rajouter. Je vais m'arrêter. J'ai un autre cours ici tout de suite maintenant. Et je vous souhaite une bonne journée. On se voit en tous les cas. Et j'ai le petit cadeau. Merde, je vais me reconnecter. Je vais vous parler de mon cadeau sur lequel je travaille et qu'on va faire ensemble. D'accord? Bisous, bisous.